bien, nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'il y a? T'as toujours pas confiance? Et si on me demande après payer cette opération, je connais un gars, lui a pris 2 millions de lire pour une opération comme la mienne, alors. Mais dis-moi pourquoi ce médecin qui est beaucoup plus célèbre, il me referait l'estomac gratis. Et il faudrait que ce soit un saint, docteur. Les saints sont au paradis. S'il y en a un, lui c'est un homme bon, un homme généreux. Tu sais, ce ne sera pas le premier qui l'opérera gratis. Tout le monde le sait, tous les ouvriers des usines des environs savent très bien qu'ils n'ont qu'à venir le consulter s'ils sont dans la dèche et qu'ils ont une grave maladie. Et puis regarde donc cet écriteau. Œuvre charitable, la vigne du Seigneur. S'ils veulent faire le bien, ils ont leur raison. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Dis-toi que t'as une famille, qu'il faut que tu guérisses. Tu vois ceux-là? Ils sont tous comme toi, sans une lire. Ils ont tous quelques gros ennuis. Ce sera à vous de passer, madame. Oh, merci. Je suis absolument satisfait de la malade et de l'infirmière. Vous avez compris aussi que vous devez partir un peu. Il faut que vous partiez et que vous laissiez tous vos soucis à la maison. Et puis c'est gratuit. Mais c'est elle qui croit que je ne saurais pas me débrouiller sans elle, docteur. mais vous êtes convaincue, j'espère, mademoiselle. Oui, professeur. Alors gare à vous si je ne reçois pas de belles cartes postales. Et voilà les pilules pour la maman et des vitamines pour vous. Prenez-les régulièrement et souriez, vous êtes beaucoup plus jolie. Ah, professeur. Cher professeur, si vous n'étiez pas si jeune, je dirais que vous êtes un père pour nous tous. Un père et un bienfaiteur. Non, un ami. Je suis un ami, tout simplement. Maintenant, allez. C'est la première visite? Non, c'est le petit que vous avez opéré le mois dernier, docteur. Il y a l'affiche de la clinique et l'affiche établie ici. Ah oui, oui. Faites-les entrer, je vous prie. Bonjour, cher professeur. Ah, bonjour, madame. Bon, approche, Giovanni. Tu n'as pas amené ta jeune sœur? Comment ça se fait? Elle ne s'est pas un cas grave comme moi. Déshabille-toi. Et maintenant, toi non plus, tu n'es plus un cas grave. Quand même plus grave que ma sœur, n'est-ce pas, maman? Ah non, dépêche-toi, tu fais perdre son temps, monsieur le professeur. Voyons, Giovanni, vite. Comment ça se passe avec ces exercices au grand air, madame? Il s'essouffle moins, il ne s'évanouit plus, seulement il est un peu paresseux. Si je me souviens bien, tu voudrais entrer dans la police plus tard. Mais pour devenir capitaine, il ne faut pas être paresseux. Bah, je sais, mais je changeais d'avis. Je veux être médecin. Et pourquoi veux-tu être médecin brusquement? Bah, pour devenir un monsieur important. Important pour les autres, j'espère. Je ne veux pas avoir à répéter que les glaces sont faites pour voir ce qui se passe dehors. Pas pour le deviner. Je moque qu'il pleuve ou pas. Je les veux propres, c'est clair. C'est là qu'on voit à quel point lui pèse son auréole de sang. Tous les mardis, on l'entend hurler. La charité finit par l'étouffer. Alors, pour se défouler, il faut bien qu'il s'en prenne aux autres. Après tout, qu'est-ce qui l'oblige à le faire? C'est juste, il n'y gagne pas une lire. Mon cher, je suis d'un naturel sceptique et les excès de sa maritalisme me laissent rêveur. Et en qualité de bras droit de notre grand patron, ne vous rompez pas les os. Allez au diable, Giordani. Ah, j'y suis déjà, probablement. Ah, Batty, vous oubliez la pomme. La quoi? La pomme que le premier de la classe se fait un devoir d'apporter à son maître, voyez. Oh. Sœur Céleste, dans la clinique du Grand Valiotti, les petites sœurs aussi doivent être impeccables. L'école bien droit, c'est clair. Oh, docteur Giordani, vous en profitez chaque fois que nous avons les mains occupées. Bien sûr. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu, professeur? J'irais mieux si chacun ici faisait son devoir. Et que faites-vous là? Oh, rien. La sœur Céleste vient de me faire remarquer que les revues de la salle d'attente sont trop anciennes. Bonne remarque, sœur Céleste. Il faut régulièrement les changer. Veuillez-y vous-même. Tout de suite, monsieur. Ah. Nous avons trois chambres de libre? Oui, nous avons eu le désagrément de devoir libérer trois malades parfaitement rétablis. Les prévisites? Faites. Il m'en reste une. Finissons-en parce que bientôt je vais commencer à recevoir. Ah, bonjour, Tanzil. Bonjour, professeur. Ne me dites pas que vous avez encore dû remuer les montagnes. Pas tout à fait. Mais pour arriver au maximum de précision que vous exigez, avec juste raison, dans les renseignements concernant vos clients... Venons-en, enfin. Guido Rovetti, propriétaire de nombreuses usines de textiles. Le compte courant très solide et qui dépasse les 100 millions. Biens immobiliers en Italie, à l'étranger, Villa Positano, pied-à-terre. Que savez-vous de la baronne Lanciani? Bah, de grandes relations aux quatre coins du monde. Oh, c'est une authentique VIP. Toutes les escales de la Jet Society, les Bahamas, Saint-Tropez, Stad. Bon, concluez. Concluez. Financièrement parlant, rien de spectaculaire. Le compte courant ne dépasse pas les 20 millions de lire, mais il y a la pension alimentaire du mari dont elle est séparée. La coquette somme de 10 000 dollars par mois et qui arrive avec ponctualité. Merci, c'est plus que suffisant. Il nous reste encore... Un orato marchetti. Et là, nous sommes très loin des normes auxquelles... Oh, abstenez-vous de commenter les normes. Je vous en prie, continuez. Un homme d'affaires de peu d'envergure dont les revenus joints au modeste salaire de son épouse atteignent tout juste 300 000 lire. 1 800 000 lire en banque, fruit d'une récente hypothèque sur l'appartement qui, soulignons-le, est au nom de la jeune femme. M.
Mais tu sais, quelquefois, ils ont le bistouri facile, ces grands chirurgiens. Je me sens un peu mieux avec mes pilules. C'est à nous, je crois. Non, vous en avez encore pour un bon moment. Mais lisez donc, un magazine, descendez au bar. Inutile de rester là, assis sur des épingles. Merci, professeur. Docteur, mes confrères sont tous professeurs. Lui aussi? Celui-là est né, professeur. Dites-vous que je ne mets nullement en doute vos capacités. Loin de moi, cette idée. Vous êtes aussi compétent que votre grand patron en personne. Peut-être encore plus. Mais voyez-vous, ce principe de prévisite ne me plaît pas du tout. C'est une méthode qui est appliquée dans toutes les parties du monde. Mais qu'est-ce que ça prouve? Beaucoup de choses se pratiquent partout, et elles ne sont pas bonnes. Je fais des centaines de kilomètres pour être examiné par Valiotti, et on me met entre les mains de son assistant. Excusez-moi, monsieur. Ah, inutile de protester. Que vous le vouliez ou pas, vous n'êtes pas lui. Maintenant, le professeur... Va me recevoir, bien sûr, il ne manquerait plus que ça. Mais il fera son diagnostic d'après des observations fournies par vous. Autrement dit, il établira son diagnostic en se basant sur un pré-diagnostic. Alors, pas la peine de voir un médecin vivre les robots. Écoutez, monsieur Rovitz. Mais comprenez donc, je n'ai rien contre vous. Calmez-vous. Monsieur, c'est vous qui avez besoin de vous calmer. Maintenant, le professeur Valiotti va vous faire une visite complète. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dites-moi, vous avez vu Cassati? Très intéressante occupation. Ben, j'essaie de produire quelques auréoles dignes de votre crâne. Quelque chose ne va pas? Oui, un crétin qui grogne contre les prévisites. Il voudrait, je suppose, que ce soit Valiotti en personne qui l'interroge sur ses maladies infantiles. Un peu prétentieux, le monsieur. Oh, c'est spirituel, vous trouvez? Vous êtes seul juge. Écoutez, je ne comprends pas ces bêtises. Qui peut comprendre les âneries peut se comprendre lui-même à ce qu'on dit. Ah, la seule chose qui m'est impossible de comprendre, c'est pour quelle raison le professeur s'entête à vous supporter. Ah, cherchez un peu. Que vous ayez fait vos études ensemble ne me paraît pas suffisant comme motif. Oh non, non. Employer un compagnon d'armes rien que par magnanimité, non, 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 non. Ce n'est pas le genre de Saint Valiotti. Mais il doit cependant y avoir une raison pour ça. Qui sait, peut-être parce que je ne suis pas cher. Peut-être parce que je ne suis pas maladroit. Hein? Ou plus simplement pour les deux ensemble. Qu'en dites-vous? Giordani. Oui, je viens. C'est la radio de la baronne Lanciani. Vous vous souvenez, monsieur, trouble de la rate? Bah, je ne vois rien de grave. Je crois qu'on peut remarquer que la glande est un peu dilatée, peut-être. Je n'ai pas formulé le rapport, mais à mon avis, la symptomatologie est claire, n'est-ce pas, Batty? Très claire, en effet. Si vous refusez encore de l'opérer, elle se confiera à d'autres mains. C'est une de ces femmes qui se font opérer d'hommes de force. Une sorte de pilier de clinique. Luigi Rovetti. Oui, regardez cette splendeur. Voilà un sujet à traiter dans une de nos conférences. Ce ne sont pas des calculs, ce sont des rochers. Splendide. Effectivement. Bon, voyons ce marketing. Celui-là a été vu par Giordani. À propos, où est Giordani? Bon, certainement au bar. J'étais au bar. C'est l'endroit le plus sain de la clinique. Voilà, c'est un cas extrêmement sérieux, regarde. D'ailleurs, tu es déjà au courant. À mon avis, si tu opères tout de suite, on peut espérer un résultat positif. Mademoiselle, voulez-vous venir à mon bureau, je vous prie? Oui, monsieur. Giordani, écoute. Pour ce marketing, il est plutôt pauvre, tu sais. Il s'agit d'une opération de 4 millions, ça ne me dit rien de le mettre sur la paille. Rends-moi service et explique-lui la chose. Dis-lui de s'adresser à un autre, tu peux lui suggérer quelques noms. Tirani, Bernie, enfin tu trouveras bien. Voilà. Passez ceci au service administratif à toute fin utile. Bien, monsieur. Mais qu'importe l'argent, c'est pour ta santé. Je sais, mais on paiera beaucoup moins cher avec Bernie ou Tirani. Je vous en supplie, docteur. Répondez-moi en toute sincérité. S'il s'agissait de quelqu'un qui vous soit cher, par exemple votre frère, enfin, à votre avis, ces chirurgiens sont-ils tous aussi capables et aussi compétents? Madame, mais... écoutez, si vous voulez mon opinion personnelle, eh bien, pour une intervention comme celle-ci, Valiotti est le plus qualifié. Oh, cette malheureuse petite rate. Je l'ai fait voir à toutes les sommités de la Terre, en Occident et en Orient. Je lui ai même attribué un nom, bébé, comme Brigitte Bardot. Tellement elle a été palpée, photographiée. Il vaudrait mieux l'enlever. Oh non, ce serait de la folie. Peut-être dans un an ou deux, peut-être un peu de patience. Mais la patience, ça a tout de même des limites, à mon avis. Après tout, qui en subit les inconvénients? Je ne vois pas pourquoi je devrais les supporter, alors que par l'ablation, je pourrais retrouver une activité à laquelle je crois encore avoir le droit d'aspirer. Ou bien est-ce que l'heure de la retraite est venue pour moi et en suis-je déjà à mon Waterloo?
Vous voulez vous entendre dire que vous êtes une femme jeune et séduisante, même si vous le savez très bien. Mais pourquoi donc, dans ce périple chirurgical, suis-je le dernier de la liste? Oh, c'est une accusation tout à fait injuste. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans environ, à une party que nous donnions le baron et moi. Oh, bien sûr, vous ne vous en souvenez pas. Mais moi, si. Valiotti, ce n'est pas le genre d'homme qu'on oublie. Mais ce soir-là, vous vous êtes débarrassé de moi et de ma pauvre rate en 2 ou 3 phrases plutôt railleuses. Oh, je suis impardonnable. Je ferai tout pour me réhabiliter. Nous allons voir. Je dirais que l'activité, pour une femme comme vous, ne me paraît pas seulement un droit, mais un devoir. Et pour la retrouver, je serai obligé de vous demander de sacrifier. Bébé? Exactement. Sœur Maria, vous êtes un peu comme un docteur et vous êtes au courant de tout. Croyez-vous que mon état s'améliore vraiment? Le personnel ne doit absolument formuler aucun avis sur un sujet clinique quelconque. Et je n'ai pas l'intention d'enfreindre le règlement. Mais je peux tout de même vous dire que je parle à une heureuse convalescente qui se rétablit à vue d'œil de jour en jour. Et qui bientôt pourra faire filer droit ses petits-enfants. D'ailleurs, dans quelques minutes, le professeur Valiotti va passer. Posez-lui la question. Oh, excusez-moi. Vous êtes gentille, monsieur. C'est déjà l'heure de la visite. Si vous vouliez me donner ma glace et mon rouge à lèvres. Ne me regardez pas comme ça. Plus on vieillit, ma sœur, plus il faut prendre soin de soi, par respect pour les autres. Merci, monsieur. Bonne journée. Dieu sait pourquoi toutes les malades se font une beauté avant que le professeur ne passe, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous d'amour. Elles ont rendez-vous avec l'espoir, c'est encore plus important. Cela se produit partout, avec tous les médecins. Ce sont de vrais maîtres pour les gens, par la grâce de Dieu et la volonté de la nation. Quoi qu'il advienne, ils conserveront cette emprise sous tous les régimes, avec ou sans réforme sanitaire. Ici, les malades paient les yeux de la tête, ils pourraient se montrer exigeants. Et en fait, ils n'ouvrent presque jamais la bouche. Sans doute sont-ils mieux que les pauvres, mais pas tellement, au fond. Les lépreux sont tous égaux, tu sais. Les lépreux? Oui, les malades. Le médecin devrait avoir la conscience limpide. Comme le professeur Valiotti exige que le soient toutes les glaces de sa clinique. En tout cas, la sienne l'est. Cet homme se tue au travail et il tient la discipline. Mais il est le premier à donner l'exemple. Et puis, il a un charme fascinant auquel on ne peut pas rester indifférent. J'oubliais, c'est vrai que tu préfères Giordani, le seul qui ne soit pas professeur. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de l'être. C'est un homme étrange. On a l'impression que pour lui, rien n'a d'importance. À mon avis, il a dû avoir une grosse déception sentimentale. Toutes les déceptions sont sentimentales, en un certain sens. C'est vrai, tu as fait de la philosophie? De la psychologie. Mais alors, pourquoi crois-tu que Giordani boive tant? Il ne boit jamais avant d'opérer. Mais pourquoi? Est-ce encore pire depuis quelque temps? Il éprouve du plaisir à boire, sans doute. À se détruire, oui. Peut-être. C'est un cas extrêmement complexe, il est difficile de se prononcer. Vous, De Luca, qu'en pensez-vous? J'ai examiné les analyses et les radios. Je pencherai plutôt vers l'hypothèse de Batty, mais toutefois, je me garderai bien d'être catégorique. Et vous, Batty? Oh, pour moi, c'est un cas évident d'angine pectoris. Ah, voilà, Giordani. Ton opinion? Mais il n'a pas vu la fiche clinique. Vous pouvez la garder, j'ai vu la malade. Écoute, personnellement, j'estime qu'il s'agit là d'une fausse angine d'origine nerveuse, due en grande partie aussi à des troubles biliaires. Messieurs, je suis d'accord avec Giordani. Docteur Giordani, l'état du malade de la chambre 23 s'est aggravé brusquement. Savez-vous qui l'a examiné ce matin? Le professeur De Luca. Sa femme est avec lui? Oui, mais en ce moment, elle passe un coup de fil à ses parents. Arrangez-vous pour qu'elle n'y retourne pas avant que le professeur Valiotti ait vu le malade. Oui. J'aimerais savoir pourquoi la transfusion n'a pas été faite. Nous manquons de sang B rhésus négatif. J'y verrai personnellement, je ne veux pas que ça se renouvelle. Écoute, il vaudrait peut-être mieux que tu passes voir ton opéré de la chambre 23. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Je vous ai dit qu'avec le choc opératoire, il fallait surveiller le cœur de ce malade. Vous rendez-vous compte? Dans ma clinique, on ne meurt pas. C'est clair. Ici, personne ne meurt. Donnez-moi de quoi écrire. On le tirera de là avec ses piqûres, alternées toutes les 2 heures. Ce soir, je pense qu'il sera en mesure de bouger demain matin. Avant midi, il rentre chez lui. Professeur, je suis inquiète. Dites-moi franchement,
Mon mari est plus mal, n'est-ce pas? Il y a une légère réaction, chère madame, qui était prévisible et qui n'a rien d'alarmant. Rassurez-vous. L'opération est parfaitement réussie et nous nous estimons d'ailleurs pleinement satisfaits. Et nous sommes étonnés de le voir récupérer aussi vite. Et demain, à midi, vous pourrez le ramener à la maison. C'est vrai, docteur. Oh, comme je suis contente. Et combien je vous suis reconnaissante. Oh, entendons-nous bien, madame. Je le confie à votre cardiologue, qui est un excellent médecin. Votre mari a le cœur fragile. Il a besoin d'être surveillé, souvenez-vous. Je le sais. Merci, professeur. J'étais convaincue qu'il était presque en agonie. Comment ai-je pu me tromper à ce point-là? Non, sœur Maria. Vous ne vous êtes pas trompée, hélas. Mais s'il peut rentrer demain chez lui, docteur? Ce ne sera qu'une halte, avant d'entreprendre un voyage plus long. Vous ne l'avez donc pas encore compris. Cette maison est une garde où il ne part jamais de direct pour le paradis. Professeur Valiotti. Vous êtes encore ici tous les deux? J'espérais que le docteur Giordani vous aurait... Vous êtes le seul qui puisse opérer mon mari, j'en suis certaine. Il n'y a qu'avec vous que je me sentirai tranquille. J'aurais voulu vous éviter cette dépense. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Avec ce que nous avons mis de côté et le prêt que nous a consenti son patron, il y a un peu plus de 4 millions alors. Bien sûr, pour nous c'est beaucoup et... Non, je ne vous prendrai pas une somme pareille. Étant donné la situation, mettons 2 millions. Mais que faites-vous? Maintenant, rentrez chez vous et revenez demain. Je m'occuperai des formalités. Allez. Merci. Est-ce que M. Rovetti et la baronne Lanciani qui viennent de partir ont réglé leurs frais de clinique avant de s'en aller? Non, professeur. Passez-moi leur fiche. Quand vous étudiez, dites-vous toujours que ce que l'on vous enseigne dans cette faculté, du plus simple au plus complexe, pourra un jour ou l'autre vous aider à alléger une souffrance, à guérir une maladie, à contribuer à la sauvegarde de ce bien suprême qu'est la vie humaine. Le travail du médecin ne doit jamais être dégradé. Ne vous laissez jamais entraîner à utiliser votre savoir à des fins lucratives. Vous devez secourir avec la même conscience le riche et le pauvre, le plus puissant comme le plus humble. Parce que la souffrance, souvenez-vous-en, annule toutes les inégalités et les différences de classe. Monsieur, je crois que nous sommes tous d'accord avec ce que vous venez de dire, mais en pratique, que pouvons-nous faire? Nous sortons d'ici bourrés de notions théoriques, mais avec si peu d'expérience qu'on sera à peine diagnostiqué à Coriza. Vous savez que j'ai été un des tout premiers à me battre pour la réforme universitaire. Mais même si nous l'obtenons, qui nous épargnera l'humiliation de frapper à des centaines de portes pour avoir un poste qui nous permet tout juste de ne pas crever de faim? Bien, admettons qu'on en trouve un, où cela nous mènera-t-il? Tous les barons sont là pour nous barrer la route. Les barons n'admettront jamais la réforme hospitalière. J'ose espérer que moi, vous ne me rangez pas sous cette infamante étiquette nobiliaire. Si la réforme universitaire est importante, la réforme sanitaire est indispensable. Mais il faut qu'elle soit radicale et dépourvue d'ambiguïté. La médecine devra être politisée à l'heure actuelle. Si vous me soignez une tumeur en lisant aux malades les maximes de Mao, et que vous réussissez, je serai le premier à déposer le bisturi pour employer le petit livre rouge à la place. Comment peut-on travailler dans de pareilles conditions? Il paraît que ce cirque doit s'arrêter à midi. Ils sont arrivés à un compromis, m'a-t-on dit. Le ministère de la Santé a promis qu'avant les vacances, le Parlement discuterait et voterait la réforme sanitaire. Mais qu'ils la votent donc. Ils verront combien d'entre nous accepteront d'exercer dans ce maudit pays après ça. Mais ne vous inquiétez donc pas. Les démocrates chrétiens préféraient voir nationaliser toute l'industrie italienne plutôt que d'enlever le marché de la santé des mains des milliers d'organisations religieuses. Une réforme. Mon mari est très malade.
qui m'ai condamné sur les transfusions de sang. J'ai donné 200 000 livres pour avoir du sang en marché noir, vous entendez? Je le jure. J'étais obligée d'emprunter ça et il a fallu supplier encore pour l'avoir. La voile m'a envoyé ses infirmières. Du calme, madame. Oh, ça, du calme. Elles ont touché leur part là-dessus. Ces filles maudites. Elles spéculent ces hyènes sur le désespoir de tous les pauvres gens. Maudites soient-elles. Inutile de rester là. Mais pourquoi riez-vous? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Non, ce n'est pas très édifiant d'entendre quelqu'un dire en public que les infirmières se livrent ouvertement à un odieux trafic du sang. Professeur, je ne vois pas comment je pourrais l'empêcher. Les donneurs se font rares de Fabiani, mon vieux, vous êtes le directeur de la Banque du Sang et vous savez mieux que moi que les donneurs ne manquent pas. Allons, dites plutôt que presque toutes les infirmières sont poussées par votre personnel à se prêter à cette ignoble spéculation, c'est évident. Ou bien est-ce que ça vous arrange de l'ignorer? Pourquoi voulez-vous que ça m'arrange? Parce que les infirmières paient un pourcentage sur ce qu'elles reçoivent. J'en ai les preuves. Et à qui le verse-t-elle, Fabiani? À qui? Professeur, dois-je entendre que je ferais mieux de démissionner? Mais non, ne dramatisons pas. Je me doute que vous avez à faire face à de grosses dépenses pour le mariage de votre fille. Je suis compréhensif, mais... Mais faites attention, oui. Une enquête pourrait se terminer par votre expulsion de l'ordre des médecins. Mais nous saurons l'éviter. Je m'en souviendrai toujours, professeur. Ne voyons pas si loin, mon cher. Tenons-nous-en au présent, si vous voulez. Hier, à ma clinique, j'ai manqué de sang B rhésus négatif. Que cela ne se répète pas. Soyez tranquille, professeur. C'est donc là qu'il voulait en venir. Oh, quel enfant de salaud, ce Valiotti. Hein? Nous avons fait l'impossible. Je suis désolé, madame. Non, mon chéri, vous auriez pu le sauver. Mais vous l'avez laissé mourir. Que se passe-t-il? À cause de cette grève de 3 jours, il y en a un qui s'est mis en grève pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on attend pour l'emporter? Dans peu de temps, le professeur va commencer la visite. Faut pas qu'il voit cette bagarre. Non, c'est clair. Loin de mes yeux, les saletés, les cadavres et les urinales. Excusez-moi, professeur. L'autre salle a déjà été remise en ordre. Bien, nous commencerons par là. Gava. Oui. Allez vérifier si les salles d'opération sont prêtes. Et surtout que l'on pense aux compresses. Oui, professeur. Calculez qu'il y aura aujourd'hui une 20aine d'opérations, dont au moins 7 pour moi, je pense. Vous croyez que votre précieuse main y suffira? Je suis ambidextre. Et ambitieux, surtout. Hé, grand-père, qu'est-ce que c'est que cette musiquette? Vous savez que le professeur va arriver. Mais qu'est-ce que vous voulez, la marche du gladiateur? Tu n'as pas de soin. Je t'ai apporté un pyjama propre. Et tu as fait une tâche, mon chéri. Tu es beau pour recevoir la visite du professeur. Comment êtes-vous ce matin? Mieux, professeur. La douleur de l'épaule a dû diminuer. Oui, hein? Professeur, un peu. Et vous continuez les mêmes piqûres alternées un jour sur deux. Et double dose de Vitali. Maman, fais attention, hein. Te trompe pas encore comme l'autre fois où tu l'as appelé docteur. Mais pourquoi? C'est pas un médecin. Allons, maman, ne sois pas si têtu, il faut l'appeler professeur. C'est un professeur, tu comprends, non? Bon, nous opérons aujourd'hui. D'abord l'électrocardiogramme. Non, j'ai la tête qui tourne. Laisse-moi, s'il te plaît, d'ailleurs, quelle importance ça, que je sois bien coiffée. Bien sûr que ça a de l'importance, un docteur est sensible à ces choses. Il s'occupe mieux de quelqu'un d'avenant. Non. D'après les tests sur la fonction hépatique, il est clair que c'est la vésicule qui a besoin de soins, non l'estomac. Et qu'on lui donne néocytomène 1000 le matin, écrivez. Et après les repas, citra et patine. Et le soir, Vitaline. 2 comprimés, oui. Pourquoi? Tu comptais sur les effets positifs de la Vitaline? Oh, mais non. C'est la panacée universelle. Votre Vitaline ne sert au fond à rien. Enfin, entendons-nous. Pas à rien, je veux dire que c'est comme des milliers d'autres médicaments similaires déjà existants sur le marché. Professeur Valiotti, mon entreprise a investi d'énormes capitaux dans la Vitaline. Si vous refusez de signer avec avis favorable le rapport qui doit être envoyé au ministère de la Santé, vous rendez-vous compte du dommage que vous me causez. Mettez-vous à ma place. C'est vous, mon cher, qui devez vous mettre à la mienne. Écoutez, en Italie, on compte plus de 1000 entreprises de produits pharmaceutiques qui proposent plus de 200 000 variétés qui ne présentent pas le garant expérimental que nous devions exiger. Parce que les essais sont faits sur des cobayes et non sur des chimpanzés. Malheureusement, professeur, mais vous savez qu'aucun de mes concurrents n'en a non plus. Et vous pensez que dans mes services, j'en ai des centaines? Mais donnez-moi ne serait-ce qu'une raison qui me permette de considérer les malades, même indigents, comme des chimpanzés. Voici un chèque de 80 millions de lire. Vous pouvez l'utiliser pour acheter un équipement dernier modèle. Pour vos recherches à l'hôpital, à la clinique ou n'importe où.
Nous savons tous avec quel désintéressement vous travaillez et luttez pour le progrès de la science. Et par conséquent, je tiens à vous laisser seul juge quant à l'emploi de cette somme, car ce sera sûrement le meilleur. Vous l'emploierez comme et quand vous voudrez. Et afin de vous limiter en aucune manière, j'ai rédigé le chèque au porteur, vous voyez. Alors, Loris, où en sommes-nous avec ce rapport sur la vitaline? Je l'avais terminé, professeur, mais j'ai lu des articles parus à l'étranger et j'ai préféré attendre un peu. De quoi traitent ces articles? D'un produit similaire. Montrez-les-moi. On l'a déjà retiré du commerce en Suisse et en Allemagne. On a remarqué des effets secondaires dus à une des substances qui entrent dans la composition de la vitaline. C'est entendu, alors. Si cette substance est nocive aux Suisses et aux Allemands, rien ne dit qu'elle ne soit pour les Italiens. Un autre climat, d'autres conditions de vie, et cela change tout, mon cher Loris. Soyons sérieux. Tout dans la médecine est question de dosage, c'est clair. Je crois que vous brouillez l'esprit avec vos lectures. Tenez-vous-en aux instructions et préparez ce rapport pour demain. Vous pourrez? Bien sûr, comptez sur moi, professeur. Parfait. Tranquille, c'est parce que je sais entre quelles mains je te remets. Valiotti. Mais tu sais qui est Valiotti, hein? Si j'avais su que je serais opéré par Valiotti, au lieu de donner du fric au notaire pour faire mon testament, je l'aurais dépensé à prendre un billet pour Rome et je serais allé voir Italie-Angleterre. Il y aura encore à voir des matchs. Je te jure qu'à présent, j'irai avec toi. Bien. C'est gentil d'avoir tout fait pour que je garde le moral. Je sais depuis longtemps que cette opération est grave et délicate, chérie. Oh, je t'en prie, si ça tournait mal, trouve-toi une brave fille qui aimera bien les petits. Tu vas être à ton bureau, ils sont si jeunes, tu comprends? Grâce à Valiotti, je ne me sens pas inquiet. Bientôt, tu seras là pour t'occuper des enfants. Tout ira très bien, j'en suis sûr. J'ai peur, vous savez. Je veux que vous me rameniez à la maison. Mais de quoi as-tu peur, papa? Tu ne sentiras rien, puisque tu seras endormi. Mais justement, c'est pour ça que j'ai peur, mon gars. Ça m'embête qu'on m'endormelle pas, savoir ce qu'on me fait. Allons, un peu de courage, papa. Tu seras bientôt rentré chez nous. Gaillard, Ah, je vais t'entendre, mon gars. Tu sais, nous avons de la chance, mon petit poussin. Le docteur Nathalie, que tu aimes bien, a convaincu le professeur. C'est lui qui va s'occuper de toi personnellement. Et puis quand tu sortiras de l'hôpital, je te promets, je t'achèterai le vélo moteur dont tu rêvais. C'est vrai, papa? Remis. Je n'écris à personne que j'allais être opérée, tu sais. Tu as très bien fait, Maria. Pas la peine que nos parents s'inquiètent, tu es en bonne main. Dire qu'il a fallu que j'ai besoin d'être opérée pour que nous comprenions vraiment que la seule chose qui compte, c'est que tu m'aimes et que je t'aime. Vous, Betty, vous surveillez Donati et Frasca. Et toi, tu surveilles Manzoni et Favani. Ils sont encore à leurs premières armes. Moi, je reste disponible pour tous. Bien. Ah, Giordani, occupez-vous donc de ce rang. Mais j'ai deux autres interventions, voyons. Vous avez mes lunettes, Giovanni? Oui, professeur, je vous les donne. Tout est prêt, mademoiselle? Oui, professeur, le patient dort déjà. Giovanni, dans les autres salles, à quel point sont les interventions? Le professeur Betty vous attend pour le malade qu'on doit rouvrir. Écarteur, allons. Quoi, violent? Elle s'est produite après, cette anastomose? Je n'ai pas encore fini de dégager complètement, professeur. C'est plein d'adhérence. Finissez de libérer l'estomac, je reviendrai tout à l'heure. Coagulant. Compresse. Écraseur. Pascali. Kelly. Compresse. Coagulant. Qu'est-ce que tu as trouvé, Germany? Oh, bah, cette sacrée vésicule est pleine de calculs. Je crois qu'il faut explorer aussi le colédoc. J'ai l'impression qu'il est un peu gros. Oui, tu as raison. Mais appelle-moi avant de refermer ta coche. D'accord. Compresse. Aspirez. Bonjour. Bonjour, professeur. Ça va jusqu'ici? Bisturi, je vous prie. Écartez encore. Merci. Compresse. Voilà. Continuez à ouvrir et à dégager. Je reviens tout à l'heure. Coagulant. Qu'est-ce que tu opères, animal? Ben, le rein gauche. Malheureux, c'est le droit qui est malade. Tu n'as pas vu la radio? Mais rien, une monstrueuse pour se charger. Vite, compresse, vite. Je n'écris à personne que j'allais être opéré, tu sais. Tu as très bien fait, Maria. Pas la peine d'inquiéter les parents. Tu es en bonne main. Le docteur Nathalie, que tu aimes bien, a convaincu le professeur. C'est lui qui va s'occuper de toi personnellement.
dire qu'il a fallu que j'ai besoin d'être opérée pour que nous comprenions vraiment que la seule chose qui compte, c'est que tu m'aimes et que je t'aime. Je sais depuis longtemps que cette opération est grave et délicate, chérie. Je t'en prie, si ça tournait mal, trouve-toi une brave fille qui aimera bien les petits. Tu vas à ton bureau et ils sont si jeunes, tu comprends? Coagulant. Il perd beaucoup de sang. Écartez, écartez encore. Aspirez. Aspirez ici, encore, et ici. Pince, deux secondes. Coagulant. Compresse, aspirez. Petit ciseau de Cocker. Compresse. Ciseau. Aspirateur. Aspirez. Pince jumelée. Vite, compresse. Là aussi. Copostase. Aspirez. Aspirez plus fort. Allons, allons. Aspirez le plus possible. Tamponnez. Tamponnez, je vous dis. Avez-vous au moins réalisé d'où vient tout ce sang? C'est-à-dire... Donnez-moi la place. Décompresse plusieurs. Vite, tamponnez tout ça. Allez, aspirez, aspirez, là, là. À quoi pensez-vous, hein? Vite, encore une compresse. Trouvez un autre aspirateur d'urgence. Pas encore en place. Alors. Alors, il arrive, ce deuxième aspirateur. Professeur, il ne fonctionne pas. Je me demande ce qui fonctionne bien ici. Là, là, où épongez-vous? Mais je ne vois rien. Vous voyez, vous voyez. Vous avez trouvé le moyen d'entailler la rate. Il n'y a plus qu'à l'enlever. Coagulant. Aspirateur. Pince courbe. Aspirateur. L'aspirateur. Alors, ça vient, la compresse. Mademoiselle. Copostase. Ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Continue, va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci, Giacomo. On dirait un arbre de Noël, tu es éblouissante. Mais tu ne crois pas que c'est un peu trop, tous ces bijoux? C'est pas trop lourd? Mieux vaut trop de bijoux que pas assez. Tu es fatiguée ce soir, Daniel. Mais non, maman. Et tes douleurs dans le cou? Ah, ça va, ça vient. Tu devrais te remettre à faire un peu de sport avec le cours de tennis derrière temps, la maison, maman, c'est facile. Dis-moi quand je peux trouver le temps. Oh, mais on le trouve quand on... As-tu gagné à la canasta? Cette Carla Seriotti me rend folle chaque fois qu'elle vient. À ce point? Elle joue dans si mal? Elle voulait que je te demande un conseil au sujet des malaises de son frère. C'est pas la première fois qu'une de tes amies essaie de soutirer une consultation gratuite. Comme elle le faisait avec ton pauvre saint homme de père. Mon père était un médecin très estimé. Très estimé, c'est vrai, surtout par les centaines de malades qu'il faisait se déplacer de jour comme de nuit, même le dimanche de Pâques. Mais lui, la plupart du temps, il n'avait pas le courage de réclamer son dû. Ton père était une sorte de singe, je te dis, généreux, désintéressé. Dois-je prendre cela comme une pierre dans mon jardin? Tu sais très bien ce que je pense. Il n'avait pas le droit de se tuer à la tâche pour satisfaire son besoin de faire le bien au détriment de sa jeune femme qu'il a laissée sans un sous-vaillant. Et autant que je m'en souvienne, avec un petit garçon à élever. Ah non, c'est pas gentil. Un peu plus, je laissais tout tomber. Si, je n'ai pas le droit de te chatouiller. Vert, maintenant. Ricky espérait dîner avec toi et comptait que vous regarderiez ensemble je ne sais quel match à la télé. N'oublie pas que tu dois remplacer sa pauvre maman. Heureusement pour lui, tu es là. Oh non, ce n'est pas la même chose. Allez, va. Va, il sera content. Va, il ne doit pas dormir. Allez, papa, raconte-moi encore une autre. Bon, mais c'est la dernière pour ce soir. Sais-tu quelle différence il y a entre un architecte, un cuisinier et un médecin? Non. L'architecte cache ses erreurs sous le crépi, le cuisinier sous la mayonnaise. Et le médecin? Ah, sous la terre. Papa, tu sais, avec toi, je m'amuse plus qu'avec mes camarades. Je te vois presque jamais. Si tu travailles bien, je te promets, mon fils, que nous passerons un mois de vacances tous les deux cette année. Oh, c'est formidable, un mois avec toi! Et où tu m'emmèneras, Adi? Pour une fois, on bouleverse toutes les lois établies. C'est toi qui m'emmèneras. Je te laisse le choix absolu. Où veux-tu aller? En Amérique, en Asie, en Afrique, choisis. Oh, ce sera un pays très loin, un endroit où personne ne pourra t'embêter, même pas par téléphone. Entendu. Bon, ta prière pour ta maman et dors bien parce qu'il est déjà tard. Et demain, il faut aller en classe.
Hop. Allez, faites beau rêve. De voyage. Bonsoir, papa. Bonsoir, fils. Ah, c'est vrai. Une seule heure chez soi et disparaît toute la fatigue d'une journée massacrante. Il n'y a rien dont je dois prendre connaissance dans le courrier. Non, rien, non, rien. Rien à quoi je ne puisse répondre pour toi. Et celle que tu caches en dessous. Je parie que ce sont les notes de Richie. Laisse-moi cela, mais laisse-moi cela. Encore une mauvaise note de conduite. Ça ne te concerne pas, ça ne concerne pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais dû brûler cette lettre, l'acheter à la poubelle, le seul endroit digne de lettres anonymes. Tu étais de si bonne humeur ce soir. J'ai été vraiment stupide. Non, maman, parce que... il vaut mieux savoir pour protéger ses arrières, tu comprends? Tu ne dois pas t'inquiéter pour ce bout de papier. Je ne m'inquiète pas. Il est temps d'aller te reposer. Bonsoir, maman. Bonne nuit, Daniel. Bonne nuit. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Monte Carlo. Nos émissions sont maintenant terminées. Elles reprendront demain matin sur 1400 mètres grandes ondes. Nous vous souhaitons une très bonne nuit. Le 229 est une radio des Torrevanni. Une opération que vous avez effectuée et qui n'était pas nécessaire. Quelques millions de lire de plus pour vous, mais aussi un mort de plus. Bonne nuit, professeur Valiotti. Eh bien. Elles ne sont pas dans les archives, professeur. Mais c'est impossible, Anna. C'est bien, merci, mademoiselle. Il disparaît non seulement les radios de cet Torrevanni, mais celles de 10 autres clients. Et tout ce que vous trouvez à répondre, c'est impossible. Mais cela ne s'est jamais produit. Maintenant, c'est fait. Et celui qui a pris justement ces radiographies l'a fait dans un but tout ce qu'il y a de précis. N'est-ce pas, Cassati? Vous préférez-vous ne pas le comprendre? Mais personne n'entre ici que vos collaborateurs. Est-ce que j'aurais pu penser que... Pensez à faire revenir ces radios, Cassati. Laissez pour un moment les préoccupations que vous causent vos dettes de jeu et débrouillez-vous pour compléter les archives. C'est un bon conseil que je vous donne. Les gens autour de nous se demandent toujours comment on peut rester aussi amoureux après tant d'années. Et pourtant, c'est vrai. Depuis 10 ans, il nous suffit d'être ensemble pour être tout à fait heureux. Je vous laisse. Je reviendrai vous voir aussitôt que je pourrai vous donner des nouvelles de l'opération, c'est promis. Vous êtes en de bonnes mains avec notre Seigneur. Mettez la compresse, j'y vois rien. Excusez-moi. Aspire. Encore. Écartez. Écartez un peu plus. Il y a ce qu'il faut pour une transfusion. Oui, ma sœur. Je pense que ce sera nécessaire. Coaguler. À combien, Elbisouri? À 3, professeur. Poussez-le à 6. Très bien. Coaguler. Aspire encore. Aspire, Giordani, mais ne me gêne pas. Oui.
Aspire. Là, ce sang me gêne. Coaguler. Aspire. Coaguler. Encore. Coaguler. Bâti, si vous mettez la compresse là, je peux pas travailler. Coaguler, mademoiselle. Jordani, mais qu'est-ce que tu as ce matin? Coaguler, mademoiselle. Professeur, on vous demande au téléphone. Qu'on rappelle, je suis occupé. C'est maître Donati, professeur. Il dit que c'est très urgent. Qu'il me rappelle. Que faites-vous? Bâti, arrêtez un peu. Ça devait durer 2 heures. Pourquoi n'est-ce pas encore terminé? Il n'y a pas de complications, moi. Non, non, jusqu'ici, tout se passe très bien. On ne peut jamais prévoir la durée d'une intervention comme celle-ci, vous savez. Oui, merci. Sœur Maria, la soie 00, s'il vous plaît. Coaguler. Encore. Encore, mademoiselle. Professeur, maître Donati est dans la salle à côté. Il dit que c'est très important. Ah. Remplacez-moi, Bâti. Donati, j'ai une opération très grave. Vous ne pouviez pas. Mais si ce n'est pas urgent, croyez-vous que je me serais permis de vous déranger, de vous importuner? Il s'agit d'une dénonciation au sujet de votre déclaration. Le contrôleur évalue vos revenus environ 10 fois ce qui a été déclaré. Et dans une demi-heure, cela passe à la commission d'enquête, à moins que vous ne... Combien? Eh bien, je pense qu'avec 5 millions de lire, ce sera plus que suffisant. Payez, payez, si cela peut arranger tout. En espérant qu'une copie n'a pas été envoyée directement au ministère. Je peux parer le coup tout de suite. Faites-moi le 81-29-17. Jordani, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à stopper l'hémorragie. Vite, pince Kelly. Il vaudrait peut-être mieux appeler la Yodé. Bon, je vais chercher. Vous, prenez ma place. Professeur! Que se passe-t-il? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a hémorragie. Te prévenir à tout hasard, tu peux veiller au grain. Valiati! Oui, c'est possible. Auquel cas, tu l'interceptes. Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis en train Valiati. De. Valiati! Au revoir, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, une grave hémorragie. Mais enfin, Patrick. Oh, mais il y a bistouri, bistouri, voyons. Je n'arrive pas à endiguer l'hémorragie. Je n'arrive pas à réussir l'hémostase. Décidément, vous ne réussissez pas grand-chose. Et vous ne réussirez jamais l'hémostase en massacrant le parenchyme. Allez, il faut juguler ça. Aspire. Vous n'êtes pas capable de voir une déchirure que vous avez faite vous-même. Je vais faire une résection. Professeur, il n'a plus de pouls. Combien de sang lui a-t-on donné? 5 unités. Continuez. Il n'y a plus de pouls du tout. Arrêt du cœur. Massage. Massage. Allez-y, Bâti, allez-y, ne vous arrêtez pas. Ah ouais. Mademoiselle, préparez une piqûre d'adrénaline. C'est prêt? Arrêtez. Aucun signe de reprise. Continuez à masser le cœur.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sens que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Non. Je ne peux pas vivre ainsi sans lui. Je ne supporterai jamais de ne pas savoir où il est. Je ne veux pas, je ne veux pas. Allons, Madame Marchetti, vous êtes croyante. Non, non. Le Christ n'a pas eu pitié de moi. Dieu m'a trahi, Dieu m'a trompé, Dieu est un traître. Comment osez-vous offenser notre Seigneur ainsi? C'est un grave péché que vous commettez. Laissez cette malheureuse Miranda, c'est un péché plus grave encore de s'indigner contre un être aussi éprouvé. Madame, le professeur Valiotti a donné l'ordre de vous rendre les arts versés. Les arts versés. L'argent. Tu entends, mon amour? Il nous a rendu l'argent, quelle chose! Geste insensé d'une institutrice. Anéantie par la mort de son mari, elle se jette du cinquième étage. Elle est tuée sur le coup. Dites ça comme si vous ne saviez pas que je viendrais voir ce qu'il y a. Ah, c'est vrai, je m'attendais à la visite de la bonne samaritaine. Entrez, ma sœur. Je reconnais que cette distraction sera salutaire. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui éprouve une religieuse dans l'antre d'un célibataire, hein? Je déteste le désordre. Ça ne vous ennuie pas que j'arrange au moins le plus apparent? Je vous en prie, faites ce qui vous plaira. Seulement, ne comptez pas que je vous en sois reconnaissant. Demain, ce sera exactement comme aujourd'hui. Le désordre part de l'intérieur. C'est après qu'il se manifeste à l'extérieur. Il y a un bout de temps que je m'y suis résigné, vous savez. En commençant par l'extérieur, on peut peut-être atteindre l'intérieur, qui sait. Vous n'avez donc pas une femme? Une femme? C'est pas ça qui manque. J'ai des femmes. De brèves rencontres sans obligation réciproque. Je n'éprouve pas le besoin d'un lien permanent. En tous les cas, vous avez besoin d'un bon café, bouillant et fort. Je vous remercie, j'en ai pris je ne sais combien déjà. Il faut un peu de temps pour que l'effet se produise et que je me reprenne. Heureusement qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup de trafic et que j'étais en retard. Pourquoi êtes-vous venu? Il y a 2 jours qu'on ne vous a pas vu à la clinique. Je sais bien ce que vous avez pu éprouver en lisant la nouvelle de... Du geste insensé de la pauvre Madame Marchetti. Je me demande pourquoi les journalistes emploient à tout bout de champ ce qualificatif idiot. Insensé. C'est moi qui les ai persuadés qu'ils devaient se faire opérer par Valiotti. Vous savez cela, sœur Maria. Alors de là, vous vous êtes construit un scénario émouvant. Le médecin solitaire en proie à une crise de désespoir intense. Un pauvre être humain submergé par des remords de conscience. Entre parenthèses injustifiées, je dois le dire, qui tente de noyer dans l'alcool son pitoyable état d'âme. Oh, c'est bien ça? Plus ou moins. Eh bien, c'est pas ça. Il faut que c'est une question de honte uniquement. La honte de tout et de tout le monde. Une vulgaire crise de saturation d'existence, de refus temporaire de suivre ce monde pourri qui nous sert.
Une impression d'ego qui, au fond, n'a rien de sublime. Je n'éprouve pas de remords de conscience, parce que je ne crois pas à la conscience. Et entre deux crises d'orgeais, de refus, j'essaie de vivre aussi bien que possible. Voilà la vérité. Quelle est la vôtre? La seule pratique de la charité chrétienne, je n'y crois pas non plus. Alors pourquoi êtes-vous chez moi? Par sympathie. Cherchez l'origine grecque du mot sympathie. Sentir ensemble. Très joli. Je n'ai rien objecté. Le cynisme s'effrite contre la pureté, c'est bien ainsi. Très joli. Dommage que ça ne soit pas suffisant pour que je retrouve un équilibre. La bouteille vous soutient le moral? Non. Cela me tient seulement à l'écart des mauvaises fréquentations. J'avais eu la présomption de croire que je pourrais faire concurrence à cette maudite bouteille. Je m'aperçois que le résultat n'est pas très encourageant. De toute façon, votre présence ici me fait un immense plaisir. Vous arrivez très bien à le dissimuler, alors. Je ne parle pas seulement d'aujourd'hui. Il y a presque 2 ans que je vous vois tous les jours. Et vous me donnez chaque fois cette sensation de bonheur paisible. Vous voyez, tout bien pesé, le résultat est nettement positif. C'était le seul qui avait sur moi cette sorte de pouvoir apaisant. Mais il y a 1 an environ, il est sorti pour me rapporter le journal et il n'est plus revenu. Je suppose que mon chien a choisi la liberté. Vous, par contre, vous avez choisi cet habit. Sœur Maria, puis-je vous poser une question? Non, épargnez-la-moi. C'est celle que l'on pose invariablement à toutes les filles qui se prostituent et à celles qui portent le voile. Pourquoi? Pourquoi avez-vous choisi cette voie-là? Il y a une tendance à réhabiliter les prostituées et à corrompre les religieuses, je crois. Peut-être parce qu'il s'agit de femmes qui ne répondent pas aux critères des femmes soi-disant normales de notre société. Vous y répondez parce que vous êtes une femme plutôt exceptionnelle. Vous êtes indulgent. De toute façon, si vous tenez à percer le mystère de ma vocation, je vous mets à l'aise. Il ne s'agit pas d'une grande désillusion. Au contraire, à la base, il y a une très grande illusion. Le besoin de me rendre totalement disponible à la volonté du Seigneur. Alors vous croyez en Dieu? Docteur Giordani, vous avez une logique désarmante. Vous savez aussi être sarcastique. Non, ça c'est une spécialité dans laquelle vous excellez. Je me trompe lourdement, vous avez un faible pour moi. Vous vous trompez. J'éprouve pour vous beaucoup plus que ça. Curiosité, sympathie, une profonde attirance. Mais on donne généralement à tout cela un nom bien précis. C'est trop démodé et c'est extrêmement risqué et hasardeux. Mais nous sentons ensemble, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas jeter mon habit aux orties, mes bras autour de votre cou? Ce serait merveilleux. Peut-être. Mais au fond, ce serait inutile. Pour vous, il s'agirait seulement d'un intermède entre deux crises de rejet, de refus de la société. Et pour moi, une grave erreur. Une grave erreur délibérée et consciente dont je devrais me repentir. Et je tiens absolument à n'avoir pas à me repentir des sentiments que j'éprouve. Sœur Maria, je vous remercie humblement. Et jamais vous ne saurez combien. Voulez-vous me faire plaisir? Je vous demande une chose difficile. Vous arrêtez de boire pendant toute une semaine. Promis. Pendant toute une semaine, je boirai de l'eau. À l'abstinence, sœur Maria. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Il y a longtemps que le professeur Caligari est arrivé. Quelques minutes, monsieur le professeur. Que voulez-vous que je pense quand je vois mon mari tourner comme ça, brusquement, au pourpre foncé? Il a un trouble grave dans le fonctionnement coronarien. Ou me trompais-je? D'autre part, quand pas une fois, mais je ne sais combien de fois, je le surprends en train d'émettre
Oh, veuillez excuser le détail. De fantastiques régurgitations d'air par la bouche. Mais vertu Dieu, lui qui est un véritable gentleman, je ne vois qu'une explication, l'atonie de l'appareil digestif. Où me trompais-je? Pourrais-je dire un mot, si vous permettez? Dites, mon cher collègue, je vous en prie. Je suis M. Monty depuis des années. En tant que modeste praticien de campagne, je l'ai toujours soigné. Quant à son état de santé, je puis dire que je n'ai pas le moindre sujet de préoccupation. Pour moi, il est sain et fort comme un... Par cas, je vous en prie. Si j'ai osé appeler ces deux éminents spécialistes pour une consultation, ce n'est pas pour qu'ils entendent vos divagations d'optimiste qui veut ignorer jusqu'aux faits les plus graves et les plus angoissants. Bah, à mon avis, c'est plutôt enviable qu'angoissant. Enviable? De quoi s'agit-il, madame? Écoutez, mon mari souffre depuis longtemps de fréquentes érections. Ah. Le phénomène, en termes scientifiques, c'est le priapisme. De Priap, ancienne divinité phallique. Et si la gravité de cette maladie vous échappe, docteur, je la connais. Moi qui lis toutes, je dis toutes les rubriques médicales dans les plus importants des périodiques, tant italiens qu'étrangers. Eh bien, si nous voyons le malade maintenant. Oui. Pas quel sera le diagnostic que vous ferez à mon sujet, messieurs, mais une chose est certaine, ma femme est folle. Elle est folle, alliée. La maladie, c'est son idée fixe, elle la voit partout. Pour profoncer, laissez-moi rire. On teint ce color un peu quand j'ai bu un verre de vin ou deux à la cave. À son insu, bien sûr, parce qu'elle a lu je ne sais où que le vin fait mal. Des irritations. Je voudrais vous y voir. Tenez. Je suis forcé d'aller au milieu de la nuit à l'office et d'avaler en vitesse un morceau de pain et des saucisses ou ce que je peux trouver. Parce qu'elle me condamne à ses bouillons de légumes et à la semoule au lait. Ah, et puis il y a l'histoire du priapisme. Enfin, messieurs, nous sommes entre hommes. Eh bien, j'avoue que j'ai beau avoir dépassé la soixantaine, je me tiens encore très bien de ce côté-là et j'en suis fier et heureux. J'ai une propriété très étendue et pleine de gibier de toutes sortes. Alors, messieurs, si je vais à la chasse et qu'en marchant, je fais lever un beau faisan, qu'est-ce que je fais? J'épaule, non? Sinon, pourquoi je me promènerais avec mon fusil, bon sang? Et si à la place d'un faisan, je vois une donzelle pas farouche, il faut que je la laisse? Eh bien, moi, j'épaule aussi. Sinon, ce bel outil dont le Seigneur m'a affublé, à quoi servirait-il? Excusez-moi, j'ai encore oublié de vous parler d'un symptôme alarmant. Après, madame. Maintenant, mon collègue et moi devons nous retirer pour étudier le cas. Viens. Tu te demandes pourquoi j'ai sollicité ton concours dans cette farce. Non, ce n'est pas pour faire une partie de campagne ensemble, non. Oh, je n'en doute pas, mais je suppose que tu vas m'éclairer. Calogiri, tu m'es hostile. Tu m'es hostile depuis que j'ai fait installer un rein artificiel à la polyclinique et confié au jeune docteur Azina, qui est capable de le faire fonctionner correctement. Moi aussi, dans ma clinique privée, j'ai un rein artificiel et cela, tu le savais fort bien. Alors, qui crois-tu qui va dépenser chez moi un demi-million de lire pour obtenir les soins les mêmes pour seulement 30 000 lire dans un hôpital public? Hein? J'ai perdu plus de la moitié des cas de ce genre qui venaient chez moi. Et je ne devrais pas t'en vouloir? Mais il y a façon et façon. La campagne de calomnie que tu mènes dans le but de me ruiner est contraire à notre éthique professionnelle. Oh, j'ai appris que tu avais avancé une forte somme à mon radiologue, Cassati. Pourquoi? C'est un de mes amis, c'est tout. Tout à fait généreux de ta part, je dois dire. Et tu n'as jamais pensé qu'une conversation ouverte et franche entre nous pourrait éliminer toutes nos divergences? Avec ce vent de réforme qui souffle, nous allons avoir des moments difficiles. Rester unis est à la fois notre intérêt et notre devoir. Je ne crois pas que ce simple appareil rompra cette belle unité. Tu veux dire que tu l'élimineras de la polyclinique? Une solidarité totale entre nous, mon cher Calogiri, est la base essentielle pour le meilleur déroulement de notre travail. Je te remercie, mais nous ne devons pas parler encore de notre patient. Non, mais laisse-moi faire, ça ne sera pas long. Non, cher ami, il n'y a rien d'alarmant. Ah. Tranquillisez-vous, nous sommes là. Mais étant donné la complexité de la symptomatologie de votre mari, nous estimons qu'il est nécessaire de le mettre en observation dans la clinique de mon éminent collègue pour décider s'il est opportun ou non d'opérer. Très bien, demain, sans faute, je l'accompagnerai, je le remettrai entre vos mains. N'importe quel avion qui part ce soir. Et n'importe quel pays, pourvu qu'il y ait de belles filles, naturellement. Oui. Mais loin, très loin. Oh, ne puis jamais me retrouver. Tu as bien réfléchi, Enrico? Il y a 20 ans que j'y pense. Tu te rends compte de ce que ça représente pour moi d'échapper aux griffes de cette détraquée que j'ai pour femme? Je me rends compte aussi ce que ça signifie d'échapper aux griffes de ces deux barons. Oui. Thank you.
Hé, hey, où allez-vous? Mon fils est très mal, monsieur. Un rein bloqué. Allez à la polyclinique. Ici, on n'a pas de place. Mais la polyclinique nous a envoyé ici. Allez, le petit va mourir, je ne le pas tout de suite. Attends, Richie, vous avez une mutuelle? Oui, mon mari travaille à l'électricité. Ah, mon frère aussi. Bon, ils se connaissent peut-être. Hé, hey, où je le conduis? En urologie. Bon. Un moment, madame. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut vous remplissiez le bulletin d'entrée. Monsieur, excusez-moi, on ne pourrait pas faire ça plus tard. Non, c'est le règlement. Voilà, remplissez la feuille. Tenez-moi ça. Nom? De qui? De votre enfant. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Non, non, c'est injuste. Mais, madame... Je veux être avec mon fils, vous comprenez? Non! Madame! Non! Oui? Excuse-moi, ceci était pour toi. Je l'ai trouvé sur mon bureau. Et sans faire attention, j'avoue, je l'ai ouverte. Je suis désolé, Daniel. Qui l'avait déposé? Elle n'est pas venue par la poste. Qui l'a déposé sur ton bureau? Mais pourquoi? C'est aussi important que ça? Non, non, c'est le principe, c'est tout. J'aime pas le désordre. Une lettre pour moi finie sur ton bureau... Tu sais qui est entré dans la pièce? De Luca, Batti et Loris. Pas le docteur Azina? Ah, si. Il était absolument hors de lui parce qu'on est venu démonter le rein artificiel pour le mettre dans un autre hôpital. Il ne serait pas mort si cet appareil était seulement resté à sa place. Je ne tolère pas que l'on s'adresse à moi sur ce ton, docteur Azina, et encore moins à votre présence dans mon service. Si cela signifie que vous ne voulez plus de moi ici, ne vous inquiétez pas, j'ai décidé de retourner travailler aux États-Unis. J'ai compris depuis longtemps que dans ce pays, il n'y a pas de place pour qui s'est spécialisé à l'étranger et a appris les moyens techniques que vous ne savez pas utiliser. Ces appareils modernes, il y en a des tas en Italie. Mais on peut compter sur les doigts de la main les techniciens capables de les faire fonctionner. Et naturellement, la plupart sont engagés dans les cliniques privées. Je suppose que cela devait grever les affaires de quelqu'un qu'un modeste hôpital soit en mesure de sauver des vies humaines pour un prix très honnête. Voilà pourquoi vous m'avez été hostile depuis le jour où je suis arrivé dans ce service. Voilà pourquoi vous avez envoyé ce rein artificiel dans un autre hôpital où personne ne pourra le rendre utile. Vous délirez, n'est-ce pas? Que vous le vouliez ou non, vous quitterez cet hôpital aujourd'hui même sur le champ. Il n'y a pas de place chez moi pour des gens qui se réfugient derrière des lettres et des coups de téléphone anonymes. J'ignore à quoi vous faites allusion. Et cela ne m'intéresse nullement. Je ne pourrais jamais admettre que l'on recourt à des moyens aussi abjects. Oui, Sivagliotti. D'abord Marchetti, maintenant cet enfant. Vous pourrez dormir cette nuit, professeur. Mademoiselle, quelqu'un vient de me parler à ce poste. C'est son appel à l'extérieur. Non, professeur, ce serait passé par moi. Peut-on savoir d'où venait l'appel? C'est impossible, parce que les communications intérieures ne passent pas par le standard. Préparez les 6 malades que je vous ai indiqués pour l'intervention, je paierai demain. Ah, Laurenti. Bonjour, monsieur le professeur. Comment va? Je parie que vous voudriez quelques primeurs sur la réforme sanitaire. Demain matin. Je vous remercie, professeur, mais je ne suis pas là pour ça. Il y a une page qui vous est consacrée. Voyons un peu. Comme vous voyez, il s'agit de choses assez indiscrètes, non? Diffamatoires, dirais-je. De toute façon, j'ai réussi à empêcher la publication. Et qui a écrit cet article pour le journal? Ah, j'ignore, nous avons des pigistes comme tous les journaux. Et parmi eux, n'y a-t-il pas par hasard un nommé Marco Loris? Loris? Ah, si, bien sûr, un jeune avec des lunettes. Mais je ne peux pas affirmer que c'est lui, vous savez. Je vais voir ça tout de suite. Mon cher Loris, il y a un mois environ, c'est vous qui me disiez que vous aviez une famille à votre charge et que vous aviez besoin d'en rendre vos fins de mois qui étaient un peu serrées. Oui, professeur. Vous voyez que j'ai de la mémoire. J'y ai réfléchi, Loris. Et j'ai une solution pour vos problèmes. Vous me feriez travailler avec vous en salle?
Cela ne vous avancerait pas beaucoup, je le crois. Non, venez, venez, je vais vous présenter un de mes collègues du service de gynécologie. N'en peux plus. J'ai mal, j'ai l'impression que je perds tout mon. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas, vous savez. Vous auriez dû vous penser avant d'aller vous faire fissurer par une de ces sorcières avec des aiguilles à tricoter et autres saletés. Tu devrais avoir honte. Pas ton âge. Et dire que moi, je me tue à faire des heures de ménage pour que tu deviennes maîtresse d'école. Je vais aller la dénoncer. C'est la prison qu'elle mérite. Sur la table de sa cuisine, si c'est pas malheureux de voir ça. Oh, je comprends qu'elle ne voulait pas que je rentre. Hein. Le plus grand à quel âge? 3 ans et demi juste et le plus petit à 6 mois. Vous êtes bien parti, dis donc. Bonjour, professeur. Bonjour. Sur plus de 2 millions d'avortements qui sont pratiqués chaque année en Italie, la majeure partie est effectuée par des faiseuses d'anges, des vétérinaires ou bien des sages-femmes. Et tous les lundis, ces malheureuses m'arrivent par douzaines avec l'utérus perforé et quelquefois une péritonite. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Les laisser crever? Nous n'avons pas le temps de faire du sentiment dans le travail, mais il y a certains cas où, misère de Dieu, ou même si on a l'article contre l'avortement à la place du cœur, on ne peut pas s'empêcher d'y penser et de le maudire. Eh bien, dans mon prochain exposé au Congrès national de la santé, je traiterai de ce problème-là. Peut-être arriverai-je à remuer la vase. Avec toi, ils te coûteront, du moins. Enfin, j'espère. Tôt ou tard, nous y arriverons bien. Loris, venez là. Et le professeur Bonagny m'a promis de vous mettre à l'épreuve. C'est un homme qui n'épargne pas sa peine et il attend la même chose des autres. Ça vous va? Je fais de mon mieux, professeur. Bravo. Excusez-moi, professeur. Jamais je n'ai envisagé de me spécialiser en obstétrique. Pour un gain égal ou presque, j'aurais préféré travailler avec vous en salle. Je pense qu'après quelques jours de pratique, vous pourrez commencer à travailler pour vous sans pour autant abandonner l'hôpital, s'entend. En étant prudent, en un mois, un docteur fait très facilement 1 million ou plus. Mais l'avortement est illégal. Je sais bien que c'est illégal. D'ailleurs, la révolution aussi est illégale. Et il en est de même, il me semble, pour la liberté de parole et d'opinion, pourtant garantie par la Constitution, mais bel et bien interdite par un code civil byzantin. Savez-vous qu'on vient d'arrêter un conférencier qui avait abordé le sujet de la contraception? Arrêtez, dites-vous. Ça vous surprend. Je pense que la perspective d'arracher quelques vies aux griffes des faiseuses d'anges qui commettent des assassinats impunément ne devrait pas répugner à la conscience d'un jeune médecin. La morale hypocrite repliée derrière le bouclier d'un conformisme souvent commode. Je ne trouve pas que ce soit édifiant, Loris. Oui, c'est très juste, professeur Aviotti. Mais je suivrai votre conseil. À l'abstinence, monsieur. Bravo, bravo, Ernesto, c'est exactement ce que je veux. Une rotation saisonnière des fleurs, parfait. Merci, professeur. Ah, il a l'air gai aujourd'hui, le grand chef blanc. Il serait temps, non? Professeur, bonjour. Nous avons du travail en retard que nous effectuerons immédiatement. Bonjour. Bonjour. Ne connaissant pas vos positions, je n'ai pas voulu... D'accord, d'accord. D'ailleurs, excusez-moi si ces jours-ci, messieurs, il n'a pas régné l'harmonie d'équipe qui est de règle entre nous, mais j'ai eu malheureusement quelques... Quelques contrariétés. Ah, c'est du passé, c'est du passé. Maintenant, chacun à son poste, messieurs. Je vous rejoins immédiatement. Vous pouvez refermer, Bucky. Bien. Félicitations. Magnifique d'un bout à l'autre, cet enfant des hommes. En voilà un qui ne saura jamais à quel point il a été prêt de se réveiller dans notre monde. Alors, il fallait que ce soit vous pour accomplir un pareil prodige. Et surtout avec la complication de la fibrillation vasculaire. C'est vraiment une opération qui peut faire époque dans l'histoire de la chirurgie, bravo. Merci. En fait, le rapport entre la lésion et le cœur était ce qu'il nous fallait voir pour écarter les doutes que nous laissaient les radios. Professeur, c'est dommage de ne pas avoir filmé ce miracle. Ce qui est encore plus dommage pour moi, c'est de ne pas pouvoir me réjouir de vos éloges si flatteurs. Professeur, voulez-vous du café? Oui, volontiers, sœur Angela. Parce que parmi vous, il se trouve quelqu'un qui voudrait me détruire, me discréditer. Je vous le dis tout net, si cela se produisait, ma ruine serait aussi la vôtre. J'en sais assez sur chacun de vous pour vous détruire en même temps. Et que celui qui est sans péché jette la première pierre, hein? Et si, en tant que représentant du ministère de la Santé, vous estimez que nous faisons preuve d'une volonté d'obstruction, eh bien, ce sera, monsieur, une opinion toute personnelle et arbitraire. Voyez-vous, tous mes collègues ici présents, ainsi que moi-même, nous souhaitons vivement une réforme sanitaire. Mais une réforme radicale.
Ce qui signifie, primo, le démantèlement bureaucratique de toutes les organisations mutualistes qui coûtent des centaines de milliards de lire au gouvernement chaque année. Secondo, l'abolition de toutes les œuvres religieuses qui, entre nous, sont des centres de propagande pour le plus fort des partis au gouvernement. Tertio, la conversion de tous les hôpitaux en établissements publics du jour au lendemain. Et pour finir, la nationalisation des industries pharmaceutiques, soit plus de 1000 entreprises. Voici les points qui sont, à mon avis, la base d'une réforme valable. Mais tout ceci, hélas, entraîne des dépenses au-dessus des moyens d'un budget déficitaire comme l'est le nôtre. Je déclare qu'en dehors de cette réalité, le reste n'est que démagogie. Et tromperie volontaire et répugnante. Tu dis qu'il faut se serrer les coudes parce que nous traversons une période difficile, et c'est exact. Mais j'ajoute que le danger vient de nos propres rangs. Et à mon avis, il est encore plus grave parce qu'il émane de nos collègues. Qu'entends-tu par là? Explique-toi. Il y a certains faits personnels dans notre vie professionnelle que d'aucuns utilisent pour le moment de façon anonyme, mais dans un but d'intimidation. Tu veux dire que toi aussi, tu te sens exposé à ces procédés diffamatoires? Bien sûr, et pas uniquement moi. C'est arrivé à Bellini, à Rovida, à Tancredi, à Farelli, à Mandy, et certainement encore à l'autre. Il faut réagir, Calogero. Il faut prévenir. Ah, d'accord, mais comment? C'est le moment de raffermir notre prestige dans l'opinion publique. Ciao. Ciao. Le professeur Valiotti. Et depuis qu'il m'a opéré de l'estomac, je me sens revivre, vous entendez? Et l'opération ne m'a rien coûté, il n'y a rien. Professeur Valiotti, nous avons entendu de la propre bouche des intéressés des témoignages émouvants, voire dramatiques, qui sont la preuve la plus significative du sens humanitaire que vous donnez à votre métier. Pouvez-vous nous dire si votre générosité exemplaire est appliquée également par vos éminents collègues? Mais sans aucun doute, mon ami. Et comme moi, voyez-vous, nombreux sont ceux qui emploient chaque moment de liberté avec, disons-le, le plus total désintéressement, à convaincre et à soulager, et souvent à sauver les plus malheureux. Un RSIS positif, groupe universel. Et je crois ne pas trahir la pensée de mes collègues en disant que ce que nous faisons là n'est qu'une preuve de solidarité. Un exemple que nous offrons à nos collègues plus jeunes pour leur faire comprendre l'impératif catégorique de notre profession, c'est-à-dire donner. Donner humblement, silencieusement et anonymement. Bonsoir, papa. Bonsoir, Ricky. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je choisis l'endroit où on ira en vacances. Regarde, il y a tout, la voile, l'équitation, oh, la piscine. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. J'ai bien choisi, hein? La Suisse. Tu as vu les montagnes et la neige? Tu vas apprendre à faire du ski. C'est magnifique. Je crois que nous nous amuserons bien. Oh, c'est assez loin pour que personne ne vienne te déranger, j'espère. Oui, tu as raison, c'est pas. Viens, papa, il est de bonne heure, je vais te montrer le dépliant que j'ai. Ah non, pas maintenant. Pas maintenant. Non, Ricky. Va dans ta chambre, tu seras gentil. Allons, sois obéissant, mon trésor. Tu trouveras un nouveau disque sur ton bureau. C'est de la pop musique? Écoute-le. Que se passe-t-il? Un coup de téléphone du procureur Anselmi. Et alors? Il a besoin de te parler. Il a dit que c'était urgent. Bien, alors j'irai. J'ai reçu ça ce matin. C'est une plainte contre toi, Daniel. Amplement circonstanciée. Mais il n'est pas possible de l'ignorer? Non, malheureusement. Je peux tout au plus attendre quelques jours pour que tu essaies de la faire retirer. Et bien entendu, c'est anonyme, je suppose. Pas du tout. Elle est signée. Chez moi, je suis pas malade, moi. Quand on pense qu'il suffit de trois signatures pour qu'une personne saine d'esprit soit enfermée dans cet enfer. Hein? Mais elle en sortira riche d'expériences macabres dont elle pourra faire un best-seller. Rien ne dit qu'elle en sortira. Parce que même quand on entre ici sain d'esprit, il est facile de devenir fou. C'est pour me dire ça que tu as demandé au directeur de nous laisser? Non, pour l'objectivité de l'enquête. En présence du maître, ils ont un comportement très différent. Alors tu penses que la crainte de la punition suffit pour les assagir?
Avec quelques décharges, au voltage maximum, tout est effacé, oublié d'un seul coup. On devient incapable de témoigner, et même de donner sa propre identité. Se rayer soi-même de sa propre mémoire peut être la vraie solution. Est-ce que la méthode te convient aussi ? Non. Elle est bestiale. Souvent, le moyen justifie la fin. Quand celle-ci est inéluctable. Non ! Non ! J'ai peur ! Ne me faites pas ça, pas moi ! J'ai été obéissante ! J'ai lavé le pavé ! Alors, laissez-moi ! Je ferai tout ce que vous voudrez ! Non ! Tu vois, ici, il faut savoir profiter de l'occasion. Et si on a la liberté dans le sang, on trouve toujours une sortie. Sont solides ces portes, elles ne s'ouvrent pas avec des rêves. Qu'on le veuille ou non, ces portes ressemblent à des portes de prison. Pourquoi as-tu porté plainte contre moi? Tu me hais parce que tu as un minus à rater. Non, je n'ai rien contre toi personnellement. De toute façon, c'est la première, mais d'autres plaintes suivront, je te préviens. Circonstanciée, inattaquable et précise. Tu te sens l'âme d'un justicier? En effet, mais pas l'âme d'un moraliste. C'est une distraction, un jeu ou un hobby, si tu préfères. Bon, je m'y suis mis avec une ardeur juvénile, qui s'est trouvée stimulée au fur et à mesure. Bon, je n'avais rien prémédité au départ, non. Chaque fois que je changeais de service dans l'hôpital, j'avais l'impression de sortir d'un cloaque. Pour m'apercevoir que je retombais inévitablement dans un autre. Alors j'ai commencé à tout noter avec soin. Fait, chantage, brutalité. Assassinat. J'ai sélectionné patiemment. J'ai classé, catalogué, répertorié comme pour une collection de timbres-poste. Tu t'es amusé? Assez, oui. C'était une espèce d'antidote contre l'ennui qui me colle à la peau comme de la glu. Et au dégoût que j'éprouve pour tellement de choses. Je me suis monté un spectacle rien que pour moi. Idéaliste par jeu? Ou encore cabotin qui tient à donner un spectacle sur une scène. Et je l'ai trouvé, cette scène. Le spectacle a commencé. Ne te fais pas d'illusions. Je ne renoncerai pas à mon plaisir. Non, non, nous ne sommes pas du tout à l'abri, mon cher Calogéry. Il ne faut pas se contenter de demi-mesures. Au grand mot, les grands remèdes. Chacun de vous a autant à perdre, sinon plus que moi. D'accord, je suis avec toi. Il faut que nous défendions notre prestige. Non, pas notre prestige, mais surtout notre situation. Et le crédit que nous nous sommes acquis à juste titre par une vie de travail. Qui parle de prestige et de crédit? Je pense aux inévitables conséquences d'un procès qui, si fort que nous soyons, sera pour nous synonyme de ruine. Dans ces conditions, messieurs, il ne nous reste qu'une seule solution. Décider ensemble comment éviter cela. Docteur Giordani, il y a une intervention d'urgence. Eh bien, voyez ces messieurs, moi je n'opère pas cet après-midi. Prévenez le professeur Valette. Et il n'est pas encore arrivé. Pourtant, il m'a semblé avoir vu sa voiture. Et bâti. Nous l'avons cherché, il n'est pas là. C'est vraiment la journée des retards aujourd'hui. C'est bon, je viens.
Mes gants, mademoiselle. Alors, que sait-on de ce malade? C'est un homme de 56 ans qui, d'après ce que nous a dit la famille, aurait souffert d'une hépatite virale il y a une vingtaine d'années. Hospitalisé d'urgence pour abondant vomissement de sang. Les examens? La numération globulaire donne 1 million de globules rouges. J'ai fait une radio de la région hépatique que vous pouvez voir. Quand a-t-il été hospitalisé? Il y a 1 heure environ. D'autres détails intéressants? Nous avons pratiqué 2 transfusions, mais il ne répond pas de manière satisfaisante. Comment diable a-t-il pu vivre jusqu'ici avec un foie dans cet état? Ouais, voyons ça. Donnez-moi un peu d'eau, mademoiselle. Vous êtes prêt? On peut y aller? Oui, je suis prêt. Mais le risque chirurgical est de 90%. Bistouri. Épongez, Kelly. Vite, épongez. Épongez bien, je n'y vois rien. Coagulez. Allons, épongez. Allez, vite, je ne vois rien. Bistouri. Coagulez. Vite. Bistouri. Pression, tout. Pression maximum 70, minimum 30, tout 120. Pince. Épongez, s'il vous plaît. Coagulez. Coagulez, épongez. Si, écartez. Que dit la pression? Pression 140, 90. Coagulez. Écartez mieux que ça. Pince. Épongez mieux, elle. Coagulez. Épongez, compresse. Là, faites attention. Pouls et pression. Alors, ce pouls. 80. Kelly. Coaguler encore. J'y comprends rien. C'est un cas de cirrhose. Il n'y a aucun signe d'ulcère. Qu'est-ce que ça veut dire? Le donner nommé libre. Voyons un peu les voies biliaires. Écartez davantage. Continuez. Épongez, là. Voyez, respirez. Il y a des kystes malins. Kelly, coagulez. Changez cette compresse. Mais vous voyez bien que ce sang me gêne. Vite, Kelly, mademoiselle. Coagulez. Épongez ici, vous. Coagulez. Mais comment m'avez-vous attaché ce sacré masque? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes nerveux, Jordani? Plus du tout, maintenant que je vous sais là. Bistouri. Écartez. Ouvrez. Et ouvrez bien. Pince à champ. À votre place, je ne procéderai pas comme ça. Après l'action, professeur. Coagulez. Épongez. Écartez, je vous prie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne voyez pas assez? Plus de demi-heure. Vous n'êtes pas bien? Mais ce n'est pas la radiographie qui était là avant. Vous n'avez pas commis une erreur? Elle a été changée. Que dites-vous, docteur? Attention à l'hémorragie, Jordani. Pince! J'ai demandé la pince à champ, pas celle-ci, mademoiselle. Excusez-moi, vous n'avez pas précisé. Pression 70, minimum 30, le cœur lâche. Que faites-vous? Vous vous arrêtez? Kelly. Voilà. Vous me gênez, épongez. Mais que faites-vous? Vous dormez ou quoi? Allez, coagulez. Encore. Plus rien. Allez, je n'ai pas le courage de continuer. Batty, venez voir si vous pouvez faire quelque chose. Il est parti. Il a été appelé par le professeur Valiotti. Allez, écartez. Encore. Coagulez. Lalouka, voudriez-vous... Il n'y a plus rien à faire. Arrêt du cœur. Que s'est-il passé? Pourquoi ne t'es-tu pas fait remplacer par Batty? Il n'était pas dans un état normal, c'est évident. Il a même prétendu qu'on avait changé la radiographie.
Il ne s'en rendait pas compte de ce qu'il faisait. Comment cela? Il avait bu, sans doute. Laissez-moi seul avec lui. Désolé, mon ami. C'est toi qui m'y as obligé. Tu sais ce qui t'attend maintenant? Je le sais. Une accusation d'homicide par imprudence. Avec tous les témoignages accablants de professionnels inattaquables, n'est-ce pas? Ça peut aller chercher dans les 6 ans. Et en plus, la radiation de l'ordre, cela va de soi. N'est-ce pas un peu cher pour jouer les idéalistes? Ceux qui paient le plus cher, en définitive, ce sont les pauvres types qui ne sont pour rien dans l'affaire. Comme celui-ci. Je croyais bien te connaître, mais je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Le crime prémédité. Nécessaire. Mais gratuit. Un simple examen suffirait à montrer que je n'étais pas ivre. Je ne bois plus d'alcool depuis 1 mois. Admettons que ce soit vrai. Mais tu sais bien, je suppose qu'il y a toujours des expertises et des contre-expertises. Pour la défense et pour l'accusation. Ou crois-tu encore en une justice objective et non influençable? Non, non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux t'aider. Si, t'aider. Excuse-moi, mais quel que soit le nom que tu donnes à ton manque de goût pour la vie en général, la vérité, c'est que tu es ce qu'on appelle un raté, comme homme et comme médecin. Tu es amer parce que tu ignores ce qu'est le plaisir, la joie d'avoir réussi son existence. Tu prends l'ennui comme alibi pour dissimuler ton impuissance et le fait que tu es incapable de devenir quelqu'un. Mais si tu le veux, ça peut changer. Je peux te faire avoir un haut poste d'enseignant. Je saurai te faire valoir, compte sur moi. T'es-tu jamais rendu compte que le fait d'exercer la médecine implique aussi l'exercice du pouvoir? Un médecin est un homme puissant, un maître, tu comprends? Par la nature même de sa fonction. Il peut terroriser, rassurer ou anéantir tout espoir, rendre la vie ou tuer. Il peut agir comme il l'entend, selon son propre arbitre. D'ailleurs, même les modestes, les obscurs, ont leur petit sceptre aussi, pour les petites gens qu'ils soignent. Mais il grandira avec eux, ce petit sceptre, s'ils savent s'en servir. S'ils font carrière, il devient immense, scintillant, comme celui d'un empereur, ou plus encore. J'en ai vu, tu sais. Des têtes inclinées. Des genoux pliés. Des larmes, des sourires. Des mains tendues, implorantes comme sur le passage d'un prophète. Je retirerai la plainte contre toi. Mais pas contre les autres. Bravo. Bravo, tu auras en moi un allié fidèle. Je peux transformer ta situation du jour au lendemain. Je suis désolé de te dire ça, mais tu ne peux plus rien maintenant. Parce que pour toi, il n'y aura pas de demain. Tu ne t'es pas rendu compte que tu n'es plus du côté de ceux qui profitent de la souffrance. Tu avais sans doute trop à faire pour réaliser que tu es passé de l'autre côté de la barrière. Tu es du côté des malades, des victimes. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis rien, professeur. Mais je me trompe pas souvent dans un diagnostic. Combien de fois ai-je vu tomber quelque chose de tes mains tremblantes, surpris une fixité spasmodique dans ton cœur, ou brusquement une rigidité évidente de ta nuque? Et tous ces détails ne sont pas des symptômes de fatigue. Tu sais très bien ce que c'est, n'est-ce pas? Maintenant, à toi de choisir devant quel autel tu dois t'incliner. Il y avait en tout en qui tu peux avoir confiance.
Cassati. Loris. Agina. Christian? Tiens. Ici Daniel Valiotti. Ah, mon cher Daniel. Excuse-moi, tu dormais peut-être. Non, non, que puis-je faire pour toi? Je crois que tu as opéré déjà plusieurs Parkinson à Zurich, non? Ah, oui. Quel résultat? Ah, malheureusement modeste, hein, décevant, mais on peut toujours tenter. Tu tiens beaucoup à ce client? Ah, c'est un de mes amis. Envoie-le-moi, je ferai tout ce que je pourrai. Oui, s'il se décide pour l'intervention, alors je te rappellerai. Ah, tu sais, il y a aussi un nouveau médicament. Oui, 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 je suis au courant, oui. Je te remercie beaucoup. Bah, de rien. Ciao. Gentille, mais un peu ennuyeuse. Et toi, pourquoi n'es-tu pas encore là? Tu m'avais promis que tu viendrais. Tu n'as donc pas encore compris que tu n'es plus du côté de ceux qui tirent profit de la souffrance, que tu es passé dans l'autre camp, celui des malades, des victimes. Daniel, je ne veux pas te voir dans cet état. Mais réagis, je t'en prie. Tous les grands noms du corps médical se disputeront l'honneur de t'aider. Tu n'as qu'à choisir. Pour un médecin qui fait fausse route, il y a d'innombrables docteurs Schweitzer qui, dans toutes les parties du monde, exercent leur difficile mission en un long sacrifice silencieux dans le seul but de soulager les souffrances de l'humanité.